Ils furent un fléau pour la marine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Opérant en groupe et seul, ils coulaient navires citernes, vaisseaux capitaux et sous-marins ennemis. Le War Memorial Park, à Muskogee, en Oklahoma, accueille l'un de ses héros, un sous-marin de classe Balao, l'USS Batfish. Le Batfish, lors de son attaque record de 3 sous-marins en 76 heures. L'US Navy commença à envisager l'idée d'un sous-marin de flotte dès les années 1920, suite à l'expérience acquise lors de la Première Guerre mondiale. Au départ, ces sous-marins devaient opérer avec les navires principaux d'une flotte de surface, partir en reconnaissance de longue portée et bien sûr, infliger autant de dégâts que possible à l'ennemi en approche avant l'affrontement général des navires capitaux à artillerie. Une vitesse élevée en surface, une longue autonomie, une bonne tenue en mer et un puissant armement étaient leurs caractéristiques principales. Le sous-marin de flotte. Le désir d'avoir un sous-marin de flotte produit en masse existait déjà 10 ans avant de se concrétiser. Il voulait obtenir une configuration de chaîne de montage permettant de construire ces sous-marins et de les déployer rapidement. Dans les années 1930, l'US Navy mit en service plusieurs séries de sous-marins, l'une après l'autre. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, l'expérience pratique acquise grâce à ces sous-marins permit aux ingénieurs de trouver un équilibre optimal entre éléments tactiques et techniques. En 1941, les États-Unis commencèrent à produire des sous-marins de flotte en masse. Les croiseurs de la classe Gato furent les premiers de ce type et le projet était retravaillé en continu, parallèlement aux différents chantiers. Le résultat prit la forme d'une nouvelle classe de croiseurs sous-marins américains, le Balao. La principale différence est l'acier utilisé pour construire la coque. On passe d'une épaisseur de 14 mm à 22 mm. On passe aussi d'un acier doux à un acier à haute résistance. Cela permet au Balao de plonger plus profondément que la classe Gato. La profondeur est de 122 mètres contre 91 mètres pour le Gato. Mais nous savons que le Batfish et les autres Balao pouvaient plonger plus profondément. Quand les États-Unis s'engagèrent dans la Seconde Guerre mondiale, il devint évident que le concept des croiseurs sous-marins n'était plus adapté. Heureusement, leurs caractéristiques tactiques et techniques en faisaient des candidats parfaits pour leur nouveau rôle. Combattre le long des voies de communication japonaises sillonnant le théâtre Pacifique. Le programme, en temps de guerre, du US Shipbuilding Department prévoyait la mise en service de 30 sous-marins par an à partir de 1942. En tenant compte des inévitables pertes, cela aurait permis à la marine d'obtenir jusqu'à 150 sous-marins au total, le nombre requis pour atteindre efficacement les objectifs fixés par le commandement naval américain. Les États-Unis étaient capables de construire toutes sortes de choses. La société de l'époque a donc transféré son savoir-faire à une activité de temps de guerre. De nombreux navires de classe Balao ont pu être construits rapidement, car le gros de la force ouvrière non essentielle à la survie du pays a été affecté à la construction de machines de guerre. Il y avait donc des rosies qui travaillaient sur des sous-marins et bien sûr des hommes. Certains marins affectés au Batfish ont aidé à construire leurs sous-marins bien avant qu'ils ne soient prêts à prendre la mer. Le premier sous-marin de l'US Navy avait été mis en service en 1900 et baptisé Holland, en hommage à son inventeur. Par la suite, les sous-marins américains ont été désignés par des combinaisons alphanumériques. Mais depuis les années 1930, la marine nomme ses sous-marins d'après des espèces de poissons et d'autres créatures aquatiques. Le Tigerfish, poisson-tigre par exemple. Et bien sûr, il y a l'USS Catfish, poisson-chat, qui est un poisson combatif et particulièrement délicieux. Il y a le Barbe, Barbeau et bien d'autres. Si vous n'avez jamais vu de poisson chauve-souris, il ressemble au Joker du premier Batman, le premier digne de ce nom. Il attend sous la surface qu'une cible passe au-dessus de lui, puis il la dévore comme ce sous-marin l'aurait fait lors de la Seconde Guerre mondiale. Caractéristique du sous-marin USS Batfish, SS-310, en 1943. Longueur, 94 mètres. Mètre beau, plus de 8 mètres. Tirant d'eau moyen, plus de 5 mètres. Déplacement sous l'eau, 2415 tonnes.
le sous-marin dispose d'une double coque. Diamètre maximal de la coque épaisse, presque 5 mètres. Épaisseur de la coque épaisse, plus de 22 mm. Armement, artillerie, canon marque 17 de calibre 127 mm. Canon anti-aérien automatique Beaufort de calibre 40 mm. Canon anti-aérien automatique Hurlikon de calibre 20 mm. Lors des opérations sous-marines américaines, les équipages avaient 30 à 40 secondes pour quitter les postes de contrôle et entrer dans le navire pour se préparer au combat. Ils avaient donc peu de temps pour récupérer les armes, dont des mitrailleuses calibre 40 et 30, et les descendre dans l'armurerie via cette écoutille. Les équipages s'entraînaient à descendre par l'écoutille en 10 secondes. Ils sautaient dans les écoutilles et rejoignaient leur poste de combat. Embarquement de torpilles. 10 tubes lance-torpilles de 21 pouces. 6 à l'avant, 4 à l'arrière. 24 torpilles électriques. Marque 18, calibre 533 mm. Voici la chambre des torpilles arrière. Ce compartiment contient un tiers des torpilles du sous-marin. Les torpilles étaient tirées depuis ces 4 tubes, soit 2 de moins que la chambre des torpilles avant. Charger une torpille est un processus assez simple. Il suffit de prendre la barre de poussée et de placer ses dents près des hélices. Ensuite, il faut placer une corde dans cette poulie et passer la corde dans ce trou. Les hommes placent la torpille directement dans le tube à la main. Ensuite, ils verrouillent le tube et font passer dans ces tuyaux de l'air qui arrivent directement dans le tube et propulsent la torpille. Unité de propulsion, 4 moteurs diesel Fairbanks Morse, avec une puissance totale de 5400 chevaux. 4 moteurs électriques Elliott Motors, avec une puissance de 2750 chevaux. 2 groupes de batteries rechargeables comportant 126 éléments chacune. Voici le compartiment à batterie avant, situé juste en dessous de l'office du mess. La moitié des 252 batteries du sous-marin étaient conservées dans ce compartiment. On les gardait sous les quartiers de l'équipage et l'office du mess, car en cas de problème avec les batteries, celles-ci émettaient des gaz toxiques, dont de l'hydrogène et du nitrogène. À haute concentration, ces gaz étaient également explosifs. Quand ces compartiments étaient pleins, les batteries arrivaient au niveau de la tête. Il y avait juste assez de place pour qu'un homme s'y faufile. Il rampait jusqu'à chaque batterie et vérifiait si ces gaz s'en échappaient. Vitesse maximale en surface, environ 20 nœuds. Vitesse sous l'eau, environ 9 nœuds. Autonomie, en surface, 17 700 km à 10 nœuds. Sous l'eau, 150 km à 2 nœuds. Autonomie, 60 jours. Le sous-marin Batfish rejoignit l'US Navy le 21 août 1943. En regardant la cloche, on peut voir qu'il y a écrit Batfish 194. Pourquoi ce chiffre? Il était prévu d'y écrire 1940 et quelques, mais personne ne savait quelle année au juste. La construction du Batfish a commencé fin 1942 pour se terminer en 1943. Ils avaient tellement hâte de déployer ce navire pour combattre les Japonais qu'ils n'ont pas eu le temps de terminer le dernier chiffre. On surnommait ces sous-marins les Cadillacs des sous-marins, car ils étaient équipés des dernières technologies. Ils auraient presque pu avoir un régulateur de vitesse. Par rapport aux bâtiments japonais, nos sous-marins étaient bien plus perfectionnés en termes de technologie. Le Batfish, par exemple, profitait d'améliorations dans la plupart des ports où il s'arrêtait. Dès qu'il était entre deux patrouilles, on y ajoutait un nouvel élément. Cela signifie que dès qu'un nouvel équipement était ajouté, il faut former au moins 2 personnes à l'utiliser. L'hydrophone était un appareil assez rudimentaire, mais très efficace, permettant de localiser des ennemis quand le sous-marin était immergé. À la base, l'hydrophone était un sonar passif, une sorte de microphone qui écoute l'océan autour de vous. Un technicien de sonar très bien rodé pourrait écouter et vous dire « Oh ! Il y a un ennemi ici. » Reste ensuite à déterminer l'angle, la distance parcourue par l'ennemi en un tour de l'hélice. Admettons qu'elle est de 91 cm.
un tour de l'hélice vous fait parcourir 91 cm. En comptant ainsi pendant une certaine durée, il est possible de déterminer la vitesse de l'ennemi. Ces hommes pouvaient compter le nombre de tours d'hélice en un temps donné et faire ce que nous ne faisons plus, des maths, et ainsi calculer la vitesse à laquelle se déplaçait le navire. On peut déterminer notre vitesse, celle de l'ennemi, et prévoir une trajectoire de collision ou de tir. C'est l'un des avantages de l'hydrophone. L'autre appareil, utilisé par les sous-mariniers pour déterminer la distance les séparant d'une cible et ses déplacements, était le sonar, une alternative au périscope. Voici le poste sonar. Deux hommes travaillaient à ce poste en même temps. L'un écoutait les hélices et les explosions. L'autre gérait l'équipement, notamment les têtes de sonar qui récupéraient des informations et les envoyaient vers un écran dans la tour de contrôle, où les officiers l'analysaient pour prendre des décisions opérationnelles. Ce compartiment est la salle des commandes. C'est le centre névralgique du navire. Dans ce compartiment, il y avait 10 à 12 marins qui géraient la conduite de tir des torpilles et l'immersion. Un autre aspect crucial de la gestion des sous-marins est l'importance du silence. Lors d'une opération, les sous-marins devaient être complètement silencieux. Si un sonar ennemi entendait le sous-marin, il pouvait mieux le localiser pour larguer des grenades sous-marines. À l'été 1943, la station radar SJ-1 fut mise en service. L'année suivante, la marine commença à équiper les sous-marins d'un radar pouvant capter des signaux radio. Cela permettait de détecter un navire ennemi grâce à ses émissions radar. Ces hommes ne faisaient pas forcément confiance à la technologie au départ. Ils devaient se dire « on ne peut pas se fier à nos yeux, sur qui peut-on compter ?» Mais ils ont adopté le radar. Une fois à la profondeur radar, ils déploient le mât dans des environnements différents. Et cela a bien marché pour eux, surtout dans des conditions à la visibilité très limitée. Ils devaient faire avec les moyens du bord. La nuit, en cas de mauvaises conditions, ou même la nuit en général, le radar peut être le seul moyen de discerner quoi que ce soit. Plusieurs mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins de flotte furent dotés d'un appareil de conduite de tir, le TDC Mark III. Les sous-marins n'avaient plus besoin de prévoir un plan d'attaque. Une torpille arrivait d'elle-même au point d'impact désiré, guidée par la portée, le cap et la vitesse programmée. Et donc, quand le conjugateur de lancement Mark IV est sorti, assorti de ce radar, et qu'il reçoit des informations du sonar et du radar, ils ont obtenu la machine à tuer ultime. Au début de la guerre du Pacifique, les torpilles des sous-marins américains n'étaient pas du tout efficaces en combat, en raison de leur imperfection technique. Lors de l'introduction de la Mark XIV, pendant la Seconde Guerre mondiale, les sous-mariniers ont constaté que le percuteur en métal était défectueux et qu'il déviait au lieu de déclencher l'explosion sur la cible. Ils ont donc utilisé un détonateur à influence magnétique afin de ne pas avoir à toucher une cible avec une torpille pour la faire exploser. L'idée était de la faire exploser sous la cible, de produire une onde de choc et de briser la quille en deux. Cela ne fonctionnait pas bien. Selon certains récits, il pouvait arriver que le batfish tire et qu'on n'entende rien. Aucune explosion. Combien de fois faut-il toucher une cible avec un projectile défectueux avant d'être tué? À la fin de l'été 1943, la torpille Mark XVIII fut mise en service. Il s'agissait de la première torpille électrique américaine. Inspirée d'une torpille allemande, la Mark XVIII ne laissait pas de sillage à la surface de l'eau. Elle était aussi moins chère et plus perfectionnée que le modèle précédent à turbine à vapeur. La Mark XVIII est donc plus efficace, mais elle a son propre problème.
Prenons l'USS Tang. Il tire une marque 18 qui se verrouille et fait un tour complet. Et le navire est coulé par sa propre torpille. C'est le pire qui puisse arriver. Ces torpilles à batterie, les marques 18, sont moins chères à produire. Elles avaient des problèmes. Elles marchaient sur batterie et lors du changement, ces batteries produisent de l'hydrogène. Il suffit alors d'une cigarette et d'un purificateur d'hydrogène hors service pour que tout le navire explose. Une situation à éviter à tout prix. Le problème de fiabilité des torpilles était si critique qu'à l'été 1943, l'amiral Nimitz, commandant en chef de l'US Pacific Fleet, ordonna le retrait des amorces magnétiques de toutes les torpilles. Mais la marque 14 et la marque 18 furent rapidement améliorées. La marque 18, une fois perfectionnée et utilisée après son déploiement en 1943, s'avère une véritable aubaine pour les sous-marins. En février 1945, quand le Batfish partit pour une nouvelle patrouille de combat, son équipage eut une nouvelle occasion d'apprécier tous les avantages de l'armement et de l'équipement dont il disposait. Le radar détecta une cible à 10 km. La chasse pouvait commencer. La nuit était sombre et sans lune. Le Batfish s'approcha d'un adversaire potentiel en surface et tira 4 torpilles. Aucune ne toucha sa cible. Après avoir rechargé tous les lance-torpilles et accéléré, le sous-marin adopta une position plus avantageuse. La deuxième torpille toucha la cible et la troisième passa au-dessus du sous-marin ennemi en train de couler. Au même moment, la première torpille resta coincée dans le lanceur de proue. Le capitaine criait « Tirez cette torpille !» au torpilleur en chef, Virgil Blackie Lawrence, qui a tenté en vain de la tirer, mais elle restait bloquée. Que faire? Sa formation a fait la différence. Il s'est souvenu de son entraînement. La pression d'air comprimée recommandée pour expulser une torpille d'un tube était entre 21 et 28 kg par centimètre carré. Le torpilleur Lawrence fit évacuer le compartiment, ferma l'écoutille étanche, fit passer la pression à 42 kg par centimètre carré et dit une courte prière. Boum ! Et le choc est si fort que le sous-marin recule un peu. Tout l'équipage est en liesse. Ils survivront tous à cette opération. Le Batfish approcha de la zone où le sous-marin japonais avait coulé. Ils allumèrent un projecteur pour chercher des débris et des survivants. À l'aube, les avions japonais apparurent dans le ciel et le Batfish plongea à nouveau. Le soir du 11 février, les Américains détectèrent d'autres émissions radar ennemies. Le capitaine décida d'attaquer depuis la surface et à courte portée une nouvelle fois. Mais l'ennemi plongea soudain. L'équipage s'est demandé s'ils avaient été repérés. Avaient-ils plongé après les avoir entendus? Devaient-ils se fier à leur équipement? Ils n'en savaient vraiment rien. Alors, ils ont écouté, ils ont attendu. Seulement 20 minutes plus tard, l'opérateur sonar indiquait qu'il avait entendu le bruit de citernes de ballast. Une minute après, la cible était repérée. Le Batfish plongea, seule son antenne radar restant à la surface afin de garder le contact. Une salve de 4 torpilles fut tirée des tubes de proue à une distance de 800 mètres. Une terrible explosion déchira la nuit. Puis, le lendemain, 158, 153. Oh, ils avaient relevé une autre fréquence d'un radar. Un autre sous-marin japonais. Ils avaient du mal à y croire, mais la manœuvre était devenue familière. Couler des sous-marins japonais devenait une routine. Il n'y avait plus de tube lance-torpille à l'avant. Il ne restait que 2 torpilles. Et tirer depuis l'arrière est plus difficile que de tirer depuis l'avant.
Bien sûr, les hommes à l'arrière voulaient eux aussi participer à l'action. Et ils ont reçu des messages du président, des félicitations. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Trois sous-marins en 76 heures. Si vous demandez à l'équipage, la chance n'avait rien à voir là-dedans. C'était du pur talent. Mais si vous demandez aux historiens et que vous analysez la situation, c'est une combinaison de chance et de talent. Un jour, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'équipage du Badfish fit un pacte conformément à une vieille tradition navale. L'équipage de la Seconde Guerre mondiale a acheté une bouteille et tous se sont mis d'accord pour que le dernier membre d'équipage en vie la boive en hommage à ses frères d'armes. C'est très beau, mais ils n'ont pas pensé au moment de faire ce pacte qu'à l'âge de 19 ou 20 ans, on ne se dit jamais qu'on va vivre jusqu'à 90 ans. La bouteille du survivant, du tout premier équipage, celui de la Seconde Guerre mondiale, a été ouverte il y a environ 7 ans. Nous avons une bouteille. Elle vient d'une compagnie américaine très réputée et on peut y lire « À l'équipage de l'USS Badfish ». C'est une belle bouteille. Nous l'avons exposée ici et nous la conservons jusqu'à ce que les derniers vétérans de la guerre de Corée souhaitent la sortir et la boire. Il est difficile de surestimer le rôle des sous-marins américains dans la guerre du Pacifique. Ils anéantirent presque entièrement la flotte de navires citernes japonais, empêchant l'ennemi de se ravitailler en carburant vital. Entre juillet et août 1945, les sous-marins américains se concentrèrent sur le sauvetage de pilotes d'avions abattus au-dessus de l'océan. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le Pacifique, l'US Navy perdit 52 de ses 288 sous-marins et environ 3500 marins ne revinrent jamais de leur patrouille. Quand on avance ces chiffres, on nous répond « ce n'est pas si élevé ». Combien en faudrait-il ? N'oubliez pas qu'on parle d'environ 24 000 sous-mariniers actifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui patrouillaient les mers et combattaient à bord des sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale, les sous-mariniers avaient une chance sur 5 d'y passer. Personne n'est mort à bord du Badfish, et ce n'est pas rien. Rares sont les navires à avoir cet honneur. À mon avis, le plus grand exploit du Badfish, c'est que personne n'est mort à son bord. Il faut comprendre que ces hommes nouaient des liens très forts, j'en suis convaincu. Beaucoup de gens estiment que c'est dans les tranchées que ces liens sont forgés. Mais quand on est dans une boîte de conserve en mer 65 jours d'affilée et qu'on risque de mourir à tout instant, il n'y a pas mieux pour créer des liens. Au début des années 1970, la branche Oklahoma des United States Submarine Veterans put transformer l'un des sous-marins retirés du service pour rendre hommage à ses frères d'armes tombés au combat. C'est au Badfish que revint cet honneur. Il ne restait plus qu'à le transférer jusqu'au Memorial Park en Oklahoma. Le Badfish a été remorqué sur 6 barges et a remonté tout le Mississippi jusqu'à la rivière Arkansas. À chaque barrage, il fallait passer par une écluse. À chaque fois qu'il y avait un pont, il passait tout juste en dessous. Et il y a un pont à Little Rock où l'équipe a cru qu'il allait falloir couper les périscopes. Ça ne va jamais passer. Ils se sont précipités. Ils ne voulaient rien couper sur le Badfish. Ils ont cherché une solution et ont appelé le corps du génie pour leur dire « Il nous faut juste 5 cm, juste 5 ». Les ingénieurs ont baissé le niveau de l'eau et le navire est passé tout juste. C'est incroyable que cela se soit passé ainsi. L'un des éléments clés qui ont mené le Badfish où il est aujourd'hui, c'est Mère Nature. Avec un peu d'aide de Mère Nature, des inondations ont soulevé le Badfish. Le niveau de l'eau était très haut. On a ouvert cette cuvette, laissé l'eau entrer et commencé à creuser. Toute l'opération a pris environ un mois et demi. Deux grues ont tiré aussi fort qu'elles pouvaient pour bien aligner le Badfish. Et un remorqueur a renforcé l'arrière, la poupe. Il a fini sur la terre ferme.
C'était un spectacle magnifique. Des foules se rassemblaient pour assister à l'opération. Ça n'arrive pas tous les jours. Le War Memorial Park, à Muskogee, en Oklahoma, est devenu le dernier poste d'amarrage du sous-marin. En mai 1973, le Batfish est officiellement devenu un navire musée. Il est ouvert aux visiteurs toute l'année.